les Loupio, quel joli nom. Mais que de chemins parcourus, de temps et de volontés investies. Quel parcours, quelle merveilleuse aventure. Qui l'eût cru? Pourtant les Loupio sont l'œuvre d'une dame, dame de cœur et d'amour, de passion et de constance, genre de celle que les Congolais appellent affectueusement maman. Son nom, Gilberte Savonnet. Il y a 45 ans, elle créa les Loupio pour donner un enseignement digne aux jeunes Kinois. À force de patience, de travail, de persévérance, de volonté et de ténacité, les Loupio sont aujourd'hui devenus une référence. Chère Madame Savonnet, au nom du corps enseignant, du personnel administratif, des parents, des élèves et des ouvriers, nous vous disons merci, car vous avez été pour beaucoup une bénédiction. Merci pour votre amour pour le Congo. Merci pour votre attrait aux jeunes. Merci pour votre participation active à l'instruction de la jeunesse congolaise. Merci pour l'enseignement de qualité que vous avez mis à la disposition de la jeunesse kinoise. Merci pour votre dévouement. Chère madame, veuillez trouver à travers cette déclamation l'expression profonde des sentiments les meilleurs de toute la famille Loupio. Merci pour tout. Station scolaire bercée par le fleuve, fleuve éternel, anoblis la prose de ta stature pittoresque pour éclairer l'élan de mes radieux, des enfants chéris dont tu nourris l'esprit. Zèle éducateur, dévouement loyal, pour éclairer l'élan de mes radieux, des enfants chéris dont tu nourris l'esprit. Zèle éducateur, oh, oh, dévouement loyal, oh, oh. Son nom même des adjointes pour récolter les doux fruits de nos semailles, indice de nos efforts quotidiens. Voici ce qu'on s'appelle la jeunesse quinoise. Thank you.
comme l'eau qui descend le fleuve et qui ne remonte plus les courants. Ainsi sont allés nos sorts dans l'au-delà, par-delà l'existence et la durée, par-delà l'ombre et l'instant, dans l'infinité de l'absolu. Comme le temps qui passe et ne revient plus, ainsi sont partis nos frères, par-delà la vie, au-delà de l'inconnu et de l'irréel, au-delà de l'infini et de l'espace, dans l'immensité de l'éternité. Aujourd'hui, non sans émotion, leur souvenir nous envahit. Dans le tourbillon et le brouhaha de la vie, nous viennent à l'esprit des images familières, des faits singuliers qui nous rappellent les bons moments passés ensemble. L'écho de l'existence nous renvoie à leur nom. Collègues, professeurs, personnel administratif, parents, élèves, ouvriers, ils sont morts, mais ils sont toujours dans nos cœurs. Ils sont partis, mais ils sont toujours présents parmi nous. Les révérends pères Félix de Zutter et Alphonse Verhulst, les directeurs pédagogiques Mbaya, les chefs de section André Mukua, Langa Langa et Kalenga, mesdames Makaya, Villa et Ntiala, mademoiselle Diane Ntsele, les professeurs Tamba, Benabio, Jean Matangoma, Mouluile, Mutombo, Batantou, Gérard Kibi, Pierre Lemba et Kinkunda. Nous n'avons pas oublié le surveillant Osé et les enfants Pengo, dont la mort par accident plongea le Lupio dans une très grande consternation. Oh, Père Céleste, toi qui mesures le temps et sondes l'éternité, daigne assouvir la quiétude des âmes de nos frères et sœurs que tu as rappelés auprès de toi, afin qu'ils les retrouvent dans la douceur de ton intimité et dans la grâce de ta bonté sans limite, les bénédictions insondables de ton amour.